amis, Festival de Vouziers, Festival de Vouziers, Festival de Vouziers. Et ils sont derrière moi. On vient de les choper avec Spencer. On a le... C'est moi, c'est moi. On a pas tout le monde, mais on a quand même le trio, le tiers, c'est gagnant. Le 5, le 9, le 14. Ils sont juste derrière moi. Les mecs de King Crown. King Crown, King Crown, ça ne rigole pas des masses, ça ne rigole pas des masses. Allez, tout de suite, un petit bout du live et on vient papoter juste après. Yeah! Ouais! Ça le fait ou pas, ça le fait ou pas, King Crown. Salut Joe, ça salut. Fait un bout, ça fait un salut, bout. Salut, salut tout le monde. Salut Joe, ça va? Joe l'amour. Ouais, ça va Joe l'amour. Joe l'amour, Joe love. Joe love, ouais. Et là, alors, Joe, tout de suite, à brut pour point, les présentations, vas-y. Donc, Sed Leger à la guitare. Enchanté. Ouais. Mr. Bob Saliba à la deuxième guitare. Bob Saliba. Il y a donc voilà. Deux guitares. Et notre ami, Seb... Chabot à la basse. Seb Chabot, Bob Saliba. Voilà. Oh là là, c'est que des avec Américains aujourd'hui. Avec que... l'accent. Ah ouais. Et toi, Joe Love, Joe Amor, qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous aujourd'hui. Ouais, ouais. Et Marcus, je te dis tout de suite, il y en a un, j'aurai deux mots à lui dire. Ah, t'inquiète. Bon, on parle du groupe ou on parle pas du groupe? Allez, on va. Grosse actu du groupe, Joe, vas-y, déballe. Grosse actu. Ben, ce soir, donc, à Vouziers... Dans un petit moment, donc on va jouer un set avec principalement des morceaux de notre dernier album qui s'appelle Wake Up Call. Ouais. Ah ouais, d'accord, ça c'est l'habitué des chambres d'hôtel qui est en train toujours de me parler. Dans ah, Joe. Voilà. Et donc en actualité, ben on travaille sur le prochain album. Déjà. Ah ouais, totalement. Putain, les mecs sont à bloc. Vous n'arrêtez jamais. Vous êtes des forces du rock. Jamais. Nous on adore ça, donc on compose, on bosse, on voilà. Tu peux nous confirmer que c'était le deuxième, et donc là, ça sera le troisième. Le troisième, oui. Putain, sinon, c'est d'une logique implacable. On pourrait dire quatrième même, parce que... Parce qu'un premier album est sorti sous le nom de Oblivion. Vous avez vu au Rem Fest. Tout à fait, au Rem Fest, sous le nom de Oblivion. Oblivion. Et maintenant, c'est King Crown. Voilà. Voilà. Il y a des concerts en vue cet été qui commencent à arriver, j'imagine. Tout à fait. Hein. Des concerts en... Bah déjà dans 15 en live, des concerts en live et en public. En LVC. Avec de la musique. En Suisse, en France, donc, en Paris, en Allemagne. Donc on peut aller à Paris. Hein, on se wake up call. Hein, on va voir les King Crown en live. Moi j'aimerais connaître un petit peu là, parce que toi Joe je te connais, on s'est croisés, recroisés, décroisés. Mais alors là les petits nouveaux là, Bob Saliba. Oh yeah ça, salut mec, ça va? Et les mecs, vous venez d'où musicalement parlant, c'est quoi vos influences majeures pour taquiner avec Joe Love? Tu sais nous c'est très heavy quand même hein. Ouais. Donc, on est quand même old school dans notre façon d'approcher la musique. Ouais. Donc voilà, donc c'est du heavy, du power metal, ouais. C'est du rock prog aussi pas mal. Donc, je sais, personnellement, mon acolyte ne me dira pas le contraire. On est des gros fans de Maiden, on va dire. Une seconde. C'est des gros fans de Maiden. Voilà. C'est bon, on peut faire la suite. Voilà. Donc on est des gros fans de Maiden et on peut dire que vraiment on fait ça car c'est... principalement Maiden qui nous a mis dedans. Moi personnellement je suis guitariste grâce à Maiden. Donc j'ai peur qu'ils me disent j'ai joué dans Maiden, tu vois, parce que là j'aurais flairé la posture, Joe. J'aurais souhaité. Bon, est-ce que musicalement quand vous composez, bon j'imagine que c'est collégial, est-ce que vous vous aventurez sur des terrains un petit peu tu vois je sais un peu pas progressif, moi, grunge, lounge, progressif, hip hop, on a plusieurs influences, flamenco, Seb, un petit peu. Seb Chabot, lui donc Chabot. compose beaucoup. C'est toi le... Je suis la tête pensante. Oh putain, on est arrivé avec la tête pensante avec Seb Chabot. Ah la vache.
On a la tête pensante. Voilà. On a la tête pensante. On a la tête perdue aussi. Et sérieusement, les garçons, quand vous composez, bon, trois albums, là, ça commence à causer. Est-ce que vous allez chercher un petit peu des couleurs ailleurs? Mais on n'était pas sur les anciens, non? Voilà. Et Bob Sliba, commence par cette session. Il est infernal. Quel insolent, mais quel insolent. Je n'arrive pas à te tenir, Non, non, mais en effet, donc, je disais, Seb compose beaucoup, mais notre ami Bob aussi, lui a des influences assez... Parle un peu de tes influences musicales. Ah, n'aie pas honte, confie-toi. Vas-y, confie-toi, mon petit. J'aime bien tout ce qui est folk, donc on va peut-être explorer un peu. Laisse tomber, il aime tout ce qui est folk. Hugo Frey, tout ça. On va arriver à Pierre Perret, Le folk, le, comment dire, l'ethnique un petit peu, donc j'aime bien les instruments acoustiques de la Méditerranée en particulier, ou d'autres, de la lyre, du bouzouki, du saz, de la mandoline. Est-ce qu'ils sont ouverts? Non mais il y en a pas trop, j'ai eu peur. On n'en met pas beaucoup. Il suffit de mettre une note de chaque. On distille. Et je fais croire que j'en joue. Attends Marcus, j'ai entendu le mot distiller. Je suis allé voir sur votre site. Il paraît que pour tout le monde, le truc d'avant-concert, c'est de boire un petit coup. Ouais, exactement. Sans fin. C'est le rituel. Marcus, écoute bien. Et méfie-toi. Derrière toi, il y a un gars. Son rituel d'avant-concert, c'est... Vas-y, dis-le nous. Vas-y, n'aie pas honte. Sinon, c'est moi qui balance. Ouais, mon rituel à moi. Fais les ongles de pied. Je me mets tout nu. Oh putain. Et je fais la gigue. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est du breaking news. Ça veut dire que dans quelques heures, dans Fousy, on va voir un mec se balader à poil en disant je suis King Kong. Joe, je te plains. C'est compliqué. J'ai trouvé la fine équipe. La fine équipe du métal français, elle est juste derrière moi. Donc là, il manque que David, le batteur. Est-ce qu'on peut dire du mal de David? De David. Moi ça fait plus de 40 ans, 50 ans que je le supporte. 50 ans de support. Ah putain mon pauvre. Mais je le supporte aussi. Je sais pas comment tu fais. Donc c'est toujours des bandes préenregistrées quand ils jouent. C'est tout playback. Surtout moi. Arrive. On se regarde un petit bout du live. C'est King Grom en live à Vousier et on revient tout de suite. Papoter avec les rois du rock qui font des rituels un peu bizarres. Allez, tout de suite, King Kong, vous y êtes, Fernando Rochon, toujours vous y êtes, toujours King Kron derrière moi, Joe Love, Bob Sliba. J'adore ce nom. Il t'a mis en vent, Seb le tout nu, et le guitariste d'Aaron Maiden, et David Amor, qui n'est pas là, qui est en train d'astiquer ses samples, on va dire ça comme ça. Donc on peut dire qu'il y en a un qui bosse. Règle les samples. C'est une question qui ne nous... Regardez pas. Là, ça va être une minute sérieuse, ça va être votre minute. Pour tous les fans qui sont déplacés, tous les fans de King Crow
Est-ce que vous avez un petit message, mais sérieux, un truc corporel, Joe, tu vois, tu me l'as fait à la cam, ambiance américaine. Donc, on encourage d'autant plus fortement le public à supporter et à soutenir les groupes français. Surtout, parce que on sort d'une période qui a été très difficile. Bon, là, ça redémarre avec des festivals comme Vouziers ce soir. En tout cas, on remercie tous ceux qui organisent ce type de rencontre, en tout cas, parce que pour nous, ça nous permet de rencontrer les autres musiciens, d'autres groupes qu'on connaît déjà, qu'on a déjà croisés. Mais voilà, en tout cas, le public continue à nous soutenir, parce que sans vous, on n'est rien du tout. C'est clair. Voilà. Comme l'a dit Joe, c'est malheureusement de plus en plus difficile pour le métal français de se faire un nom, en tout cas. Donc, fais pas une coupure après faire, mais c'est bizarre. C'est classe, pourquoi c'est classe, c'est classe. On croit à un homme politique. Parce qu'on a tous pensé à un autre mot. Je vous ai compris. Il nous a compris. Voilà. Ok les garçons, c'est entendu. Non, blague à part. C'est beau des festivals comme ça, il y en a plus beaucoup, faut les supporter, voilà, il faut être présent. Et il faut être là. Moi j'avais une question un petit peu plus, tu vois, spéciale. Qu'est-ce que ça te fait, Joe, là, quand maintenant t'es pas, tu vois. Là, il va être désagréable. Non, mais. Quand tu vois les Ozzy qui commencent un petit peu, ils vont partir bientôt, tous ces gars-là. Et là, vous vous retrouvez, vous, maintenant, à avoir le flambeau dans les mains. Qu'est-ce que ça fait un peu c'est même plus de la relève, c'est que vous êtes les transmetteurs. T'es de la transmission, mon pote. T'es de la transmission. Même Bob Saliba, c'est de la transmission. Oui, surtout qu'ils sont pas très jeunes non plus. De près, je suis déçu. En off, il nous disait qu'ils sont beaucoup moins jeunes qu'ils en ont l'air. Le maquillage cache bien des choses. Autant Joe, tu vieillis pas, mais alors Bob Saliba, sur les photos, c'est 17 ans, mais en vrai. Il a fait des injections avant. Parlez donc sur moi. Sérieux, donc sérieusement, voilà. En tout cas, nous, tu vois ce que je veux dire. Nous, on a connu une période, les années 80. En tout cas, on est heureux d'être encore là pour faire notre musique, la partager avec tout le public. Ouais. Et en tout cas, voilà, ceux qui partent, malheureusement, il y a une période pour tout. Mais tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est vous qui avez le flambeau dans les mains. Voilà, les mômes, ils connaissent rien, donc laisse tomber, ils jouent de la lyre. Moi, je suis un peu un dinosaure. Ils jouent du oud. T'as vu le parcours, je suis un peu un dinosaure. Mais bon, je suis encore là et ce soir, je vais encore vous le prouver parce que. C'est Joe le stégosaure. On est toujours à 300%. Ça, j'aime bien. Est-ce que tu prends toujours des produits? Ah oui, toujours. C'est ce que je disais. Du sif ammoniacal, des trucs comme ça. Voilà, King Crown, c'est sif ammoniacal. Il joue de la lyre tout nu. Il est même sur l'Esperdal. T'es sur l'Esperdal des fois? Non. Bon, les copains, je vais vous laisser un petit peu parce qu'après, je sais qu'il faut aller, faut aller voir David parce que le pauvre, il s'en sort pas avec ses cendres. C'est compliqué. Il faut aller chauffer. Bob Saliba se maquille parce que sinon, sur scène, ça va être compliqué. Je vous donne un petit cadeau. Il faut surtout que Seb, il se le foutra à poil. Un petit cadeau pour vous. Voilà, c'était King Crown à Vouziers. Ça envoie de la merguez dans du papier d'alu. On n'est pas là pour rigoler. Ils ont la gouache. Ils tournent le sif ammoniacal. Bref, c'est du métal comme on aime. Respect. Spencer, un truc à rajouter? Non, j'ai juste à vous demander. Allez, un groupe moderne quand même. Ouais, un groupe moderne. Un groupe moderne. Que vous aimez. Galderia. Ah bah oui, tiens, Galderia. Embryonic Sales. Un groupe français Galderia. Embryonic Sales, un groupe de black metal dans lequel je joue également. Donc salut les gars. Oh putain, le mec qui se fait de la promo sur notre dos. Ça c'est la classe, quand même. Ils vont tous nous la faire. Le mec qui est tradition dans le show. Faut absolument gueuler rock'n'roll, après je vous libère. Allez. 3, 2, 1 et vous faites rock'n'roll. Allez. C'est prêt. 3, 2, 1, rock'n'roll. C'est raté. C'est moi qui fais. 3, 2, 1, rock'n'roll. Non mais quand même, elle fait vachement vieille. Ah oui. Merde,
Merci à vous. Poutier.